2020 fut pour nous tous une année particulière. Beaucoup ont, durant la crise, fait un travail remarquable cette année. J'ai eu la chance d'en côtoyer certains au quotidien. Je veux bien sûr parler des agents municipaux qui ont été au cœur de la gestion de la crise dans notre commune, avec toute la force et l'énergie qu'on leur connaît. Nous accueillons donc maintenant en plateau la directrice générale des services de Palaiseau, Madame Florence Bacot-Embrasse, pour évoquer l'engagement des services municipaux. Madame la directrice générale des services, pouvez-vous nous dire comment les services municipaux se sont organisés pour faire face à cette crise qui nous a touchés fortement dès le mois de mars à Palaiseau ? Alors, vous parlez du mois de mars, monsieur le maire, mais c'est dès fin janvier que nous avons organisé une cellule de veille à votre initiative pour nous permettre d'identifier les points de blocage, les problèmes, de trouver d'ores et déjà des solutions, de permettre aux services de continuer à travailler dès le confinement. Ça a été vraiment, je pense, déterminant dans la gestion de la crise parce que nous avons eu des réflexes de gestion de crise. Et combien d'agents ont été mobilisés sur le terrain pour faire face à cette crise à Palaiseau ? Alors, sur le terrain et en lien avec le public, près de 300 agents ont travaillé durant tout le confinement, mais bien plus si on compte les agents qui ont télétravaillé, car quasiment toutes les activités de la mairie ont perduré. Alors, cette période n'a pas été exempte de difficultés. On en a rencontré plusieurs. Je pense notamment à l'accueil des enfants dans les écoles. Est-ce que vous pourriez revenir pour nos téléspectateurs sur certaines d'entre elles ? Alors, déjà, on a eu un souci constant, le souci de garder le lien avec la population pour pouvoir nous adapter, pour connaître les problèmes et trouver des solutions. Et puis, il y a eu deux grandes difficultés qui auront marqué les mémoires, je pense. Tout d'abord, la grande aventure des masques, puisque nous avons bien anticipé et commandé bien en amont des masques pour la population. Et puis, quelques jours avant la distribution, nos masques ont disparu entre Marseille et Palaiseau. Et il a fallu, en quelques heures, en retrouver pour pouvoir assurer en temps et en heure la distribution. On a réussi. Merci. Nous avons également fait quelque chose d'inédit en avril et en novembre. Nous avons adopté deux plans d'aide exceptionnels pour les Palaisiens. Est-ce que, en quelques mots, rapidement, vous pouvez nous dresser les principales caractéristiques de ces plans ? Alors, ils ont été exceptionnels parce qu'ils ont été complets. Ils ont touché toutes les personnes qui pouvaient être concernées par la crise, les plus vulnérables évidemment, et notamment les personnes âgées, les jeunes avec l'accompagnement à distance, l'accompagnement à la scolarité à distance, les commerçants avec un prêt communal à taux zéro pour lequel on a pris de vitesse toutes les institutions et les plus importantes, le tissu associatif et culturel avec un plan d'aide et de soutien. Par exemple, voilà, pour citer quelques exemples. Et puis le volet sanitaire, évidemment, avec les tests, les masques, notamment. Merci. Alors, dernière question, en tant que directrice générale des services, quel est le principal enseignement à titre personnel que vous tirez de cette année un petit peu folle ? Alors déjà, l'enseignement, il est positif, malgré la complexité de la situation. Mais je vois deux enseignements principaux pour moi. Tout d'abord, la force du collectif des agents. C'est parce qu'on a travaillé ensemble, tous mobilisés, tous impliqués, que nous avons réussi à surmonter toutes les difficultés. Et puis, deuxième enseignement, c'est la place particulière de l'échelon local qui a joué un rôle fondamental. Ça a été la clé de la reprise efficace et rapide après le confinement. C'est la clé aujourd'hui de la gestion de crise. On le voit pour les tests, on le voit pour les masques et je crains qu'on le voit pour les vaccins. Je le crains aussi. Merci, chère Florence, pour votre témoignage.